Des points inscrits à l'ordre du jour ont été présentés et analysés dans l'ordre ci-après. En premier lieu, le Conseil a analysé cas par cas 10 propositions de mise à la retraite et a proposé qu'elles soient tous mis à la retraite à partir du 31 décembre 2019. En second lieu, certains magistrats ont été proposés à la nomination aux différents postes de responsabilité et un avis favorable à toutes ces propositions a été donné par le Conseil. En troisième lieu, le Conseil a analysé, cas par cas, une liste des magistrats qui lui a été présentée et après analyse et vérification, cas par cas, du respect des dispositions légales relatives à l'avancement de grade dans leur carrière, il a donné un avis favorable à la proposition d'avancement de grade de 346 magistrats. En quatrième lieu, une liste de 125 cas de magistrats a été présentée devant le Conseil pour proposition de nomination à titre définitif. Le Conseil, après analyse et vérification cas par cas, a trouvé que tous les magistrats proposés remplissent les conditions requises et un avis favorable à leur nomination à titre définitif a alors été donné par le Conseil. En cinquième lieu, le Conseil a analysé des différents recours et des décisions relatives ont été prises cas par cas. En sixième et dernier lieu, le Conseil, après avoir évalué l'impact positif des revues citoyennes organisées dans de différentes provinces du pays par le ministère de la Justice, de la Protection civique et Garde des Sceaux et une séance d'échange sur le fonctionnement des institutions judiciaires, des causeries judiciaires entre magistrats, avocats, administration et justiciables, effectuée par cette dernière en présence des membres du Conseil supérieur de la magistrature en date du 16 décembre 2019 à Bururi, il a été décidé de poursuivre ces séances si bénéfiques et a promis de les soutenir. Le Conseil a clôturé ses travaux le même jour dans une ambiance de travail harmonieuse tout en présentant aux magistrats les meilleurs vœux, pleins de succès dans leur noble mission et un joyeux Noël.